Oui, tout à fait. Bon, Londres, on a Lisbonne, fait l'année dernière, Rome. On a pris un peu d'avance. Ok. Lisbonne, oui, c'est dans la ligne de mire. Là. D'accord, très bien. Face à Gisou, voici Laurent. Merci Laurent, soyez le bienvenu. Je vous présente votre maestro, Gisou. Et pour l'information, si vous êtes fan de Dire Straits, il y a un nouvel album signé Mark Knopfler qui arrive. Alors, c'est plus le groupe, c'est lui tout seul, mais un son de guitare inimitable. C'est pas mal, hein. J'ai une belle carrière. Il joue bien. Vous êtes venu avec un chèque ? Non, c'est que j'ai copié les paroles de chansons. J'ai un petit. Non, c'est un petit dessin de la part de ma fille Marina qui est juste là-haut. Allez, où Marina ? Salut Marina ! Merci. Tadam ! J'adore, je les garde, je les collectionne, je les affiche. Merci ma belle. Normalement, il y a tout le monde. Hein. Il y a les 14 musiciens. C'est ça, c'est ça. Certains sont plus facilement reconnaissables que d'autres. Mais, François, par exemple, avec les lunettes, c'est facile, quoi. Assis au piano, en violet, avec les lunettes, c'est bien, il est là. Bon, je partagerai. Je ferai une photo, je vous enverrai ça sur le groupe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et de quel coin venez-vous ? Je suis responsable qualité, sécurité, environnement dans un groupe de travaux publics, dans un laboratoire. Vous occupez des personnes coincées dans les ascenseurs, par exemple, trucs comme ça? Ah, ça, c'est... J'ai pas pu résoudre le problème, malheureusement, mais j'ai rien pu faire pour les collègues. Hein. Voilà, ouais. Tout petit problème, on va, pour tout vous dire, une partie de l'équipe s'est retrouvée coincée dans un ascenseur. Mais l'important, c'est d'être à l'heure et de démarrer à l'heure. Voilà, c'est ça, résultat. Sain et sauf, tout va bien, mais c'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. Ouais, je pensais qu'il tournait un remake de du Père Noël est une ordure. Non, pas du tout. Vous gagnez 20 000 euros, que voulez-vous en faire ? Eh bien, on a quelques projets. Ma femme Christelle, qui est également là-haut, a déjà quelques projets. Ah, c'est elle qui décide de l'argent. Une petite terrasse à la maison. Et puis, actuellement, donc, on habite à Corbigny, dans le Morvan. Et moi, depuis le début de l'année, je travaille sur Lyon. Donc, c'est pas très pratique. On a la maison. Donc, on va une terrasse qui aille de Corbigny à Lyon. Immense cette terrasse. Ah ouais, mais je suis pas très bricoleur en plus, donc c'est pas gagné. Non, on voudrait, si je gagne vraiment beaucoup d'argent, ce qui n'est pas sûr du tout, mais. 100 000, 200 000. Voilà, ça nous aiderait à pouvoir franchir le pas et aller habiter sur Lyon, parce que là, je commence à en avoir marre d'être tout seul toute la semaine. Ça m'a permis de réviser les chansons, mais bon. Ils vont bien le prendre dans la Nièvre, votre déménagement. On vous le souhaite, en tout cas, on peut arriver jusqu'à plus de 400 000. De toute façon, c'est sans limite. Voyez, Kevin est arrivé à 410 000. Donc, exactement. C'est sans limite, absolument. Voici les thèmes avec lesquels vous allez chanter. Laurent et Gisou pour 10 points, les solitaires pour 20 points. Les années 80 pour 30 points, amour toujours, 40 points. Kyo, 50. Tu ne m'as pas, pardon, laissé les clés. Et enfin, la même chanson. Voulez-vous commencer ou pas, Gisou? Oui, je vais commencer avec le premier thème de 50 points. Ok, d'accord.